J'étais tranquille, j'étais peinard, tout seul au bout du monde. Et là, il y a J&J Bushcraft qui parle de moi sur le canal et me défie de faire une vidéo sur mes trois objets de luxe. Je voulais un gros diamant, je voulais un lingot d'or, je voulais une belle gonzesse, mes problèmes, j'ai rien de tout ça. Bon, encore heureux que j'ai un métier, hein, parce que si j'essayais de gagner des sous en faisant chanteur, ça marcherait pas, hein. Youtubeur non plus d'ailleurs, tiens. Allez, passons là-dessus. Ben, merci à vous les deux gars, les deux compères de J&J Bushcraft, de me donner encore un peu plus de travail, hein, comme si j'avais que ça à penser, ça déconne. Et si j'ai bien compris le principe, je peux me gourer aussi, hein, bien sûr, hein, ça c'est comme toujours. Donc, on va parler de trois objets que j'emmène en bivouac, alors qu'en fait, j'aurais pas besoin du tout de les emmener. Donc, je prends le luxe d'emmener des choses dont j'ai aucune utilité. Enfin, si, une utilité, mais pas réelle. Alors, en fait, si je réfléchis bien, hormis ma tente, mon duvet et un sac pour le mettre dedans, tout ce que j'ai pas sur moi, donc mon EDC, bah j'en ai pas besoin, ce serait du luxe, mais ça représente quand même beaucoup de choses que j'emmène généralement quand je pars en bivouac. Premier objet, c'est ça, c'est une liseuse. Donc excite les bouquins papier, c'est trop lourd, et puis ça me permet d'avoir énormément de bouquins pour passer plus de temps, et puis comme ça, s'il y en a un que j'aime pas, bah, je zappe sur un autre. Toute bête, pas rétro éclairé, rien du tout, juste technologie paper ink, ça consomme rien du tout. Je peux bouquiner pendant un mois sans le recharger, et jusqu'à présent, ça m'a jamais lâché dans les pattes. Je l'ai depuis 4 ans, je crois, maintenant. Deuxième objet ou groupe d'objets, en fait, c'est ça, le casque et un lecteur MP3. Parce que tout simplement, bah, le soir, au moment de me coucher, j'aime bien mettre un peu de zik. Bon, quel zik, évidemment, bah, la musique du chauve, hein, bien sûr. Troisième objet ou groupe d'objets, c'est ça qui va avec ça, qui va avec ça. Donc du maté. J'en ai pas spécialement besoin, mais ça me fait plaisir pour le matin. Donc voilà ce qu'on pourrait considérer comme mes trois objets de luxe. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai choisi parmi tout ce que j'emmène. Comme je disais, tout ce qui fait pas partie de mon EDC, outre la tente, le duvet et le sac pour mettre dedans, et ben tout le reste, je peux très bien m'en passer. Mais c'est pareil, tout dépend de ce qu'on appelle bivouac. Si c'est un bivouac d'un jour, si un bivouac de trois semaines, il y a des choses qu'on va emmener, il y a des choses qu'on ne va pas emmener. Et juste dans la catégorie, on se fait plaisir avec des trucs. Donc, on a tous nos petits objets qu'on se prend le luxe d'emmener alors qu'on n'en a pas besoin. Bon, étant donné que c'est une petite chaîne, machin, tout ça, enfin un petit, même, comme chaîne de l'amitié, maillon de l'amitié, truc bidule comme ça, et puis que j'ai compris qu'il fallait que je nomme trois chaînes, tant pis pour ceux que je vais nommer, et puis on verra bien ce que ça va donner. Donc, ça n'a pas été très facile pour moi, dû à ma connexion internet un peu pourrie quand même. J'ai regardé dans les chaînes auxquelles je suis abonné, qui font du bushcraft effectivement, parce que les chaînes de guitare couture, ça n'aurait pas intéressé beaucoup. Donc j'ai choisi dans le désordre, bah, on va commencer par les dames, j'ai choisi l'Aurore des Bois. Donc ensuite j'ai choisi du ramen, et puis j'ai choisi Altitude Nature. Alors trois chaînes qui sont pas des grosses chaînes, je pense que c'est un peu le but du jeu, de faire connaître des chaînes que les autres connaissent pas. Évidemment, hein, les grosses chaînes, tout le monde les connaît, et puis ils s'en foutent qu'on leur dise quoi qu'il y a cette chaîne là qui existe, puisqu'ils la connaissent déjà.
Donc le but, je crois, c'est de promouvoir un petit peu des chaînes qui sont pas trop connues. J'ai choisi ces trois chaînes parce qu'en fait, elles présentent des sujets qui sont un petit peu différents, toujours autour du bushcraft, mais qui sont quand même un peu différents. Vous irez voir par vous-même. Donc, à vous, Aurore des Bois, Duramen et Altitude Nature, de faire une vidéo si vous voulez rentrer dans le jeu en présentant vos trois objets de luxe. Que vous n'avez pas besoin, mais que vous emmenez quand même. Altitude Nature, lui, à mon avis, tu vas avoir des problèmes parce que tu as tellement de matos que tu vas tout mettre dans la catégorie de luxe. Hein. Bon, merci à vous deux, les gars, J&J Bushcraft, d'avoir pensé à moi pour ça. Ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!